Hello, hello mes amours, j'espère que vous allez super bien, je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 130 000 abonnés. J'étais choquée franchement, ça m'a fait super plaisir, donc merci à tous. Franchement vous êtes de plus en plus nombreux en ce moment, je sais pas du tout ce qui se passe. Mais des fois je vois plus de 2500 personnes s'abonner par jour et ça me touche énormément, ça me va droit au cœur. Moi quand je fais ces vidéos là, franchement je m'éclate, voilà j'arrête pas de rigoler. Je trouve que c'est hyper fun, hyper drôle, voilà je me prends pas au sérieux. Et je vois que c'est pareil pour vous, donc ça me fait super plaisir, donc franchement merci à tous. Aujourd'hui je vais faire une intro un petit peu plus courte que la dernière fois et je vais tout simplement vous dire que j'ai reçu plein d'astuces encore une fois dans les commentaires sur Snapchat et sur Instagram, donc je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je refasse une vidéo pires astuces Instagram pour qu'on teste un petit peu tout ça, pour qu'on voit si ce sont des tops ou des fails, etc. Si vous voulez passer dans ma prochaine vidéo que je vous fasse et pour que je vous fasse des dédicaces, etc., n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos astuces dans les commentaires. Sur Instagram vous me taguez, vous m'envoyez les choses comme vous avez l'habitude de faire maintenant, et également sur Snapchat, voilà vous m'envoyez ce que vous voulez dans vos snaps et je regarderai tout ça. Et bien sûr franchement j'adore vous faire participer dans mes vidéos, je trouve que c'est vraiment plus fun, plus drôle, etc. Je vois pas ça partout, donc je me suis dit que c'est vraiment plutôt sympa. Donc voilà, si vous voulez voir les pires astuces, on commence tout de suite. Je vais vraiment essayer de faire une intro courte pour une fois. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut dès maintenant, mettez plein de pouces en l'air, comme ça je saurai que vous adorez ce style de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les premières astuces. Let's go. Ok donc c'est parti, vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la première astuce qui nous vient d'Aurélie Herriot qui m'a laissé un super commentaire sous ma dernière vidéo, je teste les pires astuces Instagram. Donc je te fais plein de bisous ma belle, tu m'as dit, et pour les astuces très cheloues, tu peux couper une serviette hygiénique. Ok, ça commence bien. Voilà, donc tu m'as dit que je peux la couper en deux et je peux la mettre sous mes yeux pour éviter les chutes de fard à paupières, etc. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et du coup, tu m'as donné aussi une autre astuce un petit peu embarrassante. Tu m'as dit, tu peux enlever ton vernis avec du dissolvant et un tampon, en fait, voilà. Apparemment ça part super bien. Donc moi je vais tester la première astuce aujourd'hui. Tu m'as dit donc voilà bisous hashtag team Snapchat avec plein de cœurs bleus. Donc merci beaucoup ma belle, t'es vraiment un amour. Je te fais des milliards de bisous. Donc j'ai un petit peu honte, j'espère que vous allez pas vous moquer de moi. Donc je vais prendre plutôt ceci hein. Et voilà donc c'est très gênant mais bon on va le faire quand même. Donc voilà la serviette hygiénique en question. Je vais la couper en deux comme tu m'as dit. Je fais vraiment tout ce que tu m'as dit. Et on va voir en fait si c'est un top ou un fail. Ça me fait bizarre de couper ça en deux les amis. Je sais pas trop où je dois me mettre. Mais bon voilà. Je coupe ça en deux. Ah ouais, pas mal du tout. Donc ça donne ceci, vous voyez. Et apparemment on doit mettre ça juste là. Oh c'est bien, on peut coller aussi. Pas mal du tout, mais alors à quoi je ressemble? Dites-moi les amis, je sais pas du tout. Je me regarde de plus près et je pensais pas que j'allais faire comme ça, une vidéo comme ça un jour, mais c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal ton astuce, donc j'ai très envie de la tester. Donc je vais prendre pour ce faire la palette de chez Clarins, je sais pas à quoi elle ressemble, donc on va découvrir ça tout de suite. Mes amours, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est la palette édition limitée, waouh, palette 4 couleurs, voilà, pour les yeux. Donc on la découvre ensemble. Oh là là, donc regardez ce qu'il y a déjà pour commencer, une petite notice. Oh, c'est trop beau, oh my god, regardez. C'est super joli, j'aime trop. Donc regardez le packaging de rêve. Trop joli quoi, donc c'est l'édition limitée du printemps il me semble. Et c'est juste magnifique au niveau du packaging, j'adore. Je trouve que c'est trop joli, je suis choquée, je suis impressionnée aussi. Donc quand on l'ouvre, c'est... Oh là là. Oh là là, c'est trop joli. Donc franchement elle est vraiment magnifique. Vous avez du coup 4 couleurs, 4 teintes différentes. Avec des textures un petit peu plus... voilà, un petit peu plus irisées par exemple ici. C'est canon, je vous les swatch quand même, c'est super canon. Waouh, c'est pigmenté comme j'aime en plus, donc c'est trop cool. Vous avez un joli miroir ici, franchement elle est trop belle quoi. C'est écrit quoi? Retirer, voilà, il y a un petit plastique ici à retirer parce que bien sûr elle est toute neuve, mais elle est vraiment très jolie, c'est un bijou. Donc aujourd'hui on va tester ceci, hein. Franchement j'aime trop le packaging, il est trop beau, il est trop beau. Bref, et puis on va utiliser, on va tester l'astuce d'Aurélie, donc... C'est parti avec ma serviette hygiénique. Je prends mes pinceaux tout de suite. Voilà c'est bon, j'ai pris mes pinceaux, ils sont juste ici. Ça c'est trop gros, on a dit qu'on laissait ça. Donc voilà, donc je prends mes pinceaux. J'ai pris celui de Kylie Jenner, Sigma. Et celui de Nejoli. Donc c'est parti, je vais essayer de me maquiller en plaçant bien ceci ici. Oh là là, et ne faites pas de screenshot, hein, ne faites pas de screenshot les amis. Là c'est la honte, c'est la honte de ma vie. Donc je vais prendre attendez, j'essaye de faire tenir, voilà c'est bon. Un petit peu embarrassant. Donc mes amours, je vais prendre cette teinte là pour commencer. Voilà, qui est juste là. Et je vais la placer ici. Voilà, histoire d'unifier un petit peu ma paupière. Ça fait très bizarre. Voilà, donc pour l'instant pas de chute. Effectivement, ça a l'air d'être une bonne astuce. Ensuite, je vais prendre cette teinte là.
La marronnée, elle est un peu irisée, mais bon, hop, c'est parfait. Je la trouve très très belle et je trouve que c'est très pigmenté. Ça tombe. Donc voilà, et ensuite, je trouve que c'est une bonne idée quand même. Je connaissais pas du tout. Voilà, je mets ça juste là. Pour l'instant, ça tombe toujours pas, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant, j'ai envie de vous dire. Voilà, et enfin, je prends mon petit pinceau de nez joli. Voilà, et je vais appliquer la teinte orangée. Bon, toi, reste en place. Toi, reste en place, sinon on va pas pouvoir continuer l'astuce. C'est pas grave, s'il tombe, je vais prendre l'autre, hein, écoutez. Voilà, et je le mets juste là. Et celui-ci, il tient très bien. Ah, c'est trop bien. Oh, non, mais ces astuces, elle est trop bien. Et là, je vais prendre la teinte orangée. Voilà, qui est juste là, elle est trop belle. Et en plus, elle est très pigmentée, je l'ai swatchée. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, et je vais l'appliquer donc sur ma paupière mobile cette fois-ci. Oh, c'est trop joli, c'est trop joli. Magnifique quoi, j'aime trop. La couleur, elle est trop belle et l'astuce, elle a l'air plutôt pas mal. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais balayer le tout avec mon pinceau Sigma. Et ma foi, il n'y a aucune chute, c'est très très bien, donc je retire. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, cette astuce, elle est trop trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, le seul truc par contre, c'est que quand on colle là, ça nous enlève un peu notre anti-cerne, voilà. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne astuce. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un petit peu... c'est un petit peu la honte, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça marche, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est une très bonne astuce. Merci beaucoup, Aurélie, pour ton astuce. Tu es vraiment au top du top. Tu es géniale. Et tu m'as fait découvrir quelque chose de plutôt sympa. Donc, je te fais des millions de bisous. Bisous ma belle. Waouh, c'est vrai que dans mes vidéos on trouve quand même des astuces très 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 bizarres, très cheloues. C'est vraiment les pires astuces pour le coup. Mais c'est vrai que des fois quand on se maquille etc, il y a plein de chutes qui débordent un petit peu partout. Vous savez ici, quand on va aller en soirée, quand on va aller voir son chéri etc, on se retrouve avec un make-up complètement gâté, complètement gâché, complètement horrible. Donc là au moins on sait comment faire maintenant pour éviter tout ça. Bref, on passe tout de suite à la deuxième astuce mes amours. Donc je la lis tout de suite. C'est une astuce très bizarre encore une fois. Donc si vous n'avez pas de dissolvant, voilà, si vous n'avez pas ça à la maison, des fois ça arrive hein, quand ça finit, voilà, on n'en a plus. Donc c'est un petit peu système D. Donc là j'ai une très bonne astuce pour vous. En tout cas ça a l'air, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mes amours, je vous avoue que l'astuce elle est un petit peu bizarre encore une fois. Donc si vous n'avez pas de dissolvant à la maison, mais que vous voulez retirer votre vernis absolument à tout prix etc, et que vous savez pas quoi faire, bah apparemment on peut utiliser du dentifrice tout simplement. Et apparemment si on le laisse 2 minutes, voilà, pendant 2 minutes sur nos ongles, ça peut facilement se retirer après, donc assez délicatement. C'est ce qu'on va vérifier dans cette vidéo. J'ai vraiment très peur du résultat. J'ai pris mon dentifrice chouchou parce qu'à chaque fois vous me dites oui, comment tu fais pour avoir les dents blanches etc, est-ce que tu fais des blanchiments etc. Je ne fais rien du tout qu'utiliser ce petit truc là et franchement c'est une merveille, c'est une tuerie. Donc voilà, on va essayer un petit peu ça. On va voir un petit peu si ça marche. J'ai un petit peu très très peur du résultat, mais on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voyons voir ça. Je prends le dentifrice, voilà mon dentifrice chouchou. Je suis désolée, je vais devoir t'utiliser comme dissolvant. Donc voilà, je vais tester sur cette main là. Voilà, j'ai mis du vernis rimmel qui est trop bien. Il est où mon vernis? Il est là. Voilà, il est trop trop bien, il est trop beau, je l'aime trop trop trop. C'est le vernis de rimmel et Kate Moss, voilà, qui est trop joli. Bref, j'en mets... Oh, ça sent la menthe, j'aime trop. Voilà, donc j'en mets ici, voilà, je vais m'en mettre plutôt ici pour vous montrer. Oh, mais c'est quoi ça encore? Oh là là. Voilà, donc j'en mets comme ceci, voilà, j'en mets encore une fois ici. Et vous en mettez sur tout votre ongle. Je sais pas si ça va marcher ou pas, mais je vous dis un petit peu comment faut faire, hein, on verra bien. On teste jusqu'au bout. Et on en met aussi ici, mes amours. Voilà, j'en mets pas sur le pouce, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça donne un truc comme ceci. Bon, allez, j'en mets sur le pouce aussi, hein. Au point où on en est, c'est pas grave. Mais voilà ce que ça donne, les amis. C'est assez bizarre. Donc là, je vais mettre le chrono, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant, mais je trouve ça beau quand même. Je trouve que la couleur elle est trop belle pour un vernis. Donc c'est parti, je vais mettre le chrono. Ok, donc démarrer, hop là, voilà c'est juste ici. Et là c'est parti, j'attends 2 minutes. A tout de suite. Oh, il y a mon amoureux qui m'appelle, mais là je peux pas décrocher parce que je suis un petit peu embarrassée avec ce vernis là. Donc, enfin ce vernis, ce dentifrice. Donc c'est bientôt, voilà là ça fait presque 1 minute. On attend, on verra. Mais j'ai peur d'en mettre partout en fait, c'est pour ça que je peux pas décrocher. Donc voilà, en plus je reçois des snaps aussi. Mais bref, on attend, voilà, plus qu'une minute. Ta-da ! Yes, c'est bon, ça fait 2 minutes. Donc c'est parti, je vais essayer de retirer ça délicatement avec du coton. Donc déjà je voulais vous montrer un petit peu comment c'est de plus près. Attendez, je vous montre. Oh my god les amis, non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour tester? Oh, des astuces complètement incroyables. Voilà à quoi je ressemble. Oh là là, mais c'est pas trop joli franchement. Si vous trouvez ça joli vous aussi, mettez un gros pouce en l'air. Oh
J'en mets partout. Waouh, c'est pas hyper chelou quand même? Non, j'ai pas l'air ridicule avec mon dentifrice sur les ongles, tout va bien. Non mais regardez-moi ça les amis, je trouve ça hyper artistique, je trouve que c'est très joli quand même. Donc c'est parti, on va retirer ça tout de suite avec du coton, voilà. Alors honnêtement, je vous avoue que ça me fait trop bizarre d'avoir du dentifrice à cet endroit-là, ça fait très chelou. Mais bref, là j'ai pris un petit bout de coton et je vais essayer d'enlever ça. Alors attendez, faut bien appuyer apparemment. Hop là, fail, gros fail. Donc attendez, je vais regarder ce qu'ils ont dit exactement. Mais là, ça commence plutôt mal. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Oh oh, bah oui, c'est ce que j'ai fait. Pourtant, ils ont dit appliquer le sur vos ongles pendant 2 minutes et retirer lentement le vernis. Ça s'enlève très difficilement. C'est assez long, mais bon, apparemment, ça fonctionne. Voilà, si vous avez vraiment pas de dissolvant. Mais là, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne pas et j'ai les doigts qui collent. Donc, je vais essayer un autre ongle. Faut bien appuyer apparemment. Oh, j'en mets sur mes cheveux. Ça va pas du tout cette vidéo, ça commence très mal. Non mais ça part pas du tout, c'est une blague. Regardez, ça part pas du tout. Attendez, non mais il y a rien qui part. Oh là là, en plus j'ai les doigts qui collent, ça ne va pas du tout les amis. Je vais reprendre un bout de coton. Voilà, et je vais essayer voir sur les autres ongles. On appuie. Voilà. Et hop là. Mais non, il y a rien qui part. Il n'y a rien qui part. J'ai plein de trucs qui collent, du coton, etc. Donc non, cette astuce est un gros fail. Je sais pas qui l'a inventé, mais non, franchement, là, je suis pas d'accord. Je trouve que ça fonctionne pas. Ça nous colle les doigts. On a plein d'ongles partout et c'est juste dégueulasse. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire que ça fonctionne pas du tout. Malheureusement, non. Je suis pas d'accord, donc gros fail pour cette astuce. On passe maintenant à la troisième astuce. Oh là là les amis, il y a des astuces qui sont vraiment des grosses arnaques, honnêtement. Regardez mon vernis, il est encore là, il est encore intact. Donc voilà, ça c'était un gros fail. Bref, pour la troisième astuce, j'ai trouvé plutôt drôle. Donc apparemment, imaginez que vous ayez super bien dormi, tout va bien, etc. Le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes vraiment à l'aise. Et là, c'est le drame. Vous constatez que vous avez du chewing-gum coincé dans les cheveux. Et là, vous savez pas quoi faire. Voilà, impossible d'aller en cours, impossible d'aller au travail, impossible de sortir voir vos potes, etc. Donc apparemment, avec ce petit produit miracle, avec du coca, apparemment tout peut disparaître complètement. Donc j'ai vraiment envie de tester ça. Donc je vais faire le test tout de suite, je vais manger du chewing-gum. J'espère vraiment que c'est pas un fail cette fois-ci, parce que ça pourrait nous sauver la vie. Donc je vais en prendre deux les amis, hein. Hop là, voilà. J'aime trop ce chewing-gum, il est trop bon. D'ailleurs, si vous voyez que j'ai la langue bleue, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai mangé des sucettes. Voilà, ils sont trop bonnes et en fait ça rend la langue bleue. Bref, là on fait le test du chewing-gum les amours. Donc c'est bon, je mâche mon chewing-gum. Je mâche la bouche fermée parce que des fois il y a des abonnés qui disent ah, arrête de manger la bouche ouverte. Donc voilà. Et là c'est bon. Mes amours, on fait le test hein. Donc c'est comme ça. Et j'appuie vraiment hein. Jusqu'au bout, on teste jusqu'au bout. C'est dégueulasse. Oh, je suis dégoûtée quand même de l'avoir fait, mais je suis là pour tester après tout. Donc je me sacrifie, et il y a quelqu'un qui m'avait dit merci d'être trop gentil, tu te sacrifies pour nous. Donc oui, je me sacrifie mes amours, donc voilà ce que ça donne. Je suis dégoûtée. Mais bref, donc on va mettre du coca. Attendez, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Voilà, faut mettre vos cheveux dans du coca pendant 3 minutes et ensuite on brosse la mèche et ça devrait partir. Bref, voyons voir ça. Je suis dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. Mais bref, je vais me servir un verre de coca. Alors c'est parti. Dites-moi si vous aimez bien le coca. Moi j'avoue que j'en bois pas trop. J'aime bien le jus, mais je sais pas, le coca j'ai du mal, c'est trop bizarre. Voilà, j'en bois un petit peu. Voilà, juste une gorgée parce que j'ai soif. Voilà. Mais j'aime pas trop le coca moi. Donc voilà, par contre j'aime bien le 7-Up Mojito, je trouve que c'est trop bon. Bref, on arrête de raconter sa vie, on teste les amours. Alors on met notre mèche dedans. Alors attendez. C'est vrai que ça c'est un gros problème le chewing-gum dans les cheveux. Voilà, donc on fait comme ceci. Et on attend 3 minutes. Donc là je vais mettre le chrono. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire mes amours? Là ça ne va pas du tout cette expérience. Alors le chrono il est où? Il est là. Et c'est parti, je vous retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Bon, j'ai pas l'air ridicule là. Mais voilà, c'est presque 3 minutes. J'entends un petit peu que ça pétille. Voilà, ça fait des bulles, ça fait un petit peu de bruit. Donc là, 2 minutes 55, mes amours. Et voilà, ça fait 3 minutes. Donc ça y est, je retire un petit peu tout ça.
Oh, attendez, je vais prendre un sopalin parce que sinon je vais en mettre partout. Madame Catastrophe est de retour. Donc c'est parti, le sopalin est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je sens que je vais mettre du coca sur mon téléphone, ça va être réglé. Donc voilà. Ouh là là. Ça sent vraiment... ouais, ça sent le coca, mais c'est un petit peu chelou. Ouh là 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 là. Donc on fait comme ceci, c'est très bizarre. Alors voyons voir ça de plus près. Oh, ça me dégoûte. Donc voilà, alors... Oh là là, regardez le chewing-gum, il a une toute autre texture, il est trop bizarre en fait. Il est beaucoup moins collant, j'avoue, là il se colle beaucoup moins. Et il se transforme un petit peu en petite partie, en petite pièce, il est un petit peu bizarre. C'est comme si c'était effrité en fait, la texture elle est vraiment trop chelou. Et je retire, il se retire vraiment facilement. Donc apparemment ils nous ont dit de brosser ou de peigner, je vais prendre un petit peigne. Oh mais c'est bizarre parce que tout à l'heure il était vachement collé quoi, impossible de le retirer et là... Là déjà il a libéré plein de mèches et je fais comme ceci. Waouh, je suis choquée. Regardez. Non, sincèrement je vous dis honnêtement je suis hyper choquée quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc voici la petite bête et je pensais pas du tout que ça allait marcher en fait. Je suis bluffée. Je suis vraiment impressionnée parce que ça a disparu hyper vite. Donc après là voilà, faut bien brosser vos mèches. Mais ça marche. Pour moi le chewing-gum dans les cheveux c'était la pire horreur du monde quoi. Il n'y avait rien à faire d'autre. Donc là je suis trop choquée quoi. Regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je suis trop contente. Honnêtement je suis trop contente. Mes amours, c'est assez bizarre quand même. Mais quand on met ça dans du coca, voilà, quand on met notre mèche avec du chewing-gum dans du coca, ça le transforme en petite partie. Voilà, ça le fait complètement disparaître. Et c'est vraiment très bien quoi. Il devient tout fin, tout bizarre en fait. Il change de texture un petit peu. Et après bah voilà, on retrouve nos cheveux habituels. Donc franchement j'ai trouvé cette astuce vraiment géniale. Je suis vraiment trop contente. Voilà, comme quoi des fois on peut laver ses cheveux avec du coca pour avoir un meilleur résultat. Franchement je suis trop contente. Donc oui, cette astuce a bien fonctionné. Vous l'avez vu avec moi en direct, en live. On fait tout ensemble maintenant. Et voilà, super astuce franchement. Donc c'est un gros top du top du top. Yes, franchement mes amours, je vous avoue que je suis super contente que cette astuce ait fonctionné. Parce que je vous avoue que des fois quand on a du chewing-gum sur les cheveux, il n'y a rien à faire, c'est impossible. On est obligé de couper nos cheveux. Donc là ce sera plutôt bon à savoir. Bref, en tout cas n'hésitez pas à refaire toutes ces astuces là un petit peu bizarres. Il y a que des astuces incroyables sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à les refaire pour nous dire un petit peu si ça a fonctionné pour vous aussi, ou si ce sont des gros fails et si c'est vraiment nul. Bref, on passe tout de suite à la cinquième astuce que j'ai adorée. Non, c'est la quatrième. Non, il n'y a pas 5 astuces aujourd'hui, c'est 4 aujourd'hui, exceptionnellement, parce que j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus courte, donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Bref, pour la quatrième astuce, du coup, j'ai trouvé une astuce vraiment géniale. En fait, si vous voulez vraiment avoir une belle mèche ou de très jolies mèches bouclées, frisées, vraiment très jolies, un petit peu... un petit peu comme ça, j'ai la solution pour vous. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, on va tester ensemble. Apparemment, on peut le faire avec une fourchette. Oui, oui, on peut faire vraiment des très jolies mèches. Donc, en fait, on enroule notre mèche autour d'une fourchette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, mes amours ? On sort notre lisseur, tout simplement. Donc là, c'est un trop beau lisseur que j'ai reçu de chez Remington. Il est trop beau, rose poudré, en fait il est blanc, enfin je sais pas, il est trop beau, c'est une tuerie. Bref, après vous prenez votre lisseur et vous attendez 30 secondes ou 20 secondes et vous retirez et ensuite vous aurez des belles mèches frisées, super jolies. Donc c'est une astuce Instagram, autant vous dire qu'on sait pas trop si ça va marcher ou pas, mais on va tester ça ensemble. Alors c'est parti, je teste ça tout de suite. Donc déjà je vous montre le lisseur, obligé de vous le montrer. Déjà quand on voit le packaging on se dit wow, oh my god, c'est quoi cette bombe? Franchement c'est trop joli, donc je l'ouvre. Attention, vous êtes prêts, prenez du coca, prenez des popcorn, prenez des chips, est-ce que vous voulez, parce que ça va être très joli. Ne faites pas une attaque cardiaque, donc asseyez-vous bien. Regardez comment c'est trop joli, c'est super joli quoi. Il est magnifique, c'est une bombe de chez bombe. Oh, j'aime trop. J'aime trop, je l'aime d'amour, regardez. C'est trop joli. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui. J'ai déjà testé une fois et j'aimais bien. Donc c'est parti pour notre astuce. Ok, alors c'est parti mes amours, je prends ma petite fourchette et je vais essayer de l'enrouler. Ah non, ce que je voulais faire avant, bah parce que comme j'ai déjà les cheveux frisés, pour qu'on teste le truc à fond, parce que vous savez que nous on fait tout à fond, je vais d'abord utiliser le lisseur qui est comme ceci. Comment vous dire que c'est une bombe quoi. Et oui, il est rose poudré, il est vraiment magnifique. Il chauffe hyper rapidement, je viens juste de le brancher, il est déjà hyper méga super chaud. Voilà, à 200 degrés. Voilà, et franchement il est trop bien. Bref, je suis pas ici pour faire de la pub, pas du tout. Ici on est là pour tester des astuces vraiment fun sans se prendre la tête. Donc voilà, je lisse. Tiens, bah comme ça on va voir si c'est un bon lisseur, hein. Hop, au passage. Ah ouais, c'est plutôt pas mal, regardez. Oh, c'est déjà tout lisse, trop cool. Trop cool, mais bon, comme j'aime bien ma touffe en ce moment et que vous l'adorez, là j'ai reçu plein de messages encore sur Snapchat à propos de ma coiffure. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais bref, en tout cas ça lisse très bien.
Ouais, je disais que j'ai pas envie de changer de coiffure pour l'instant parce que vous me dites tous que c'est ma meilleure coiffure et ça me fait tellement plaisir. Donc bref, mes amours, là on a ceci, vous voyez. Comme ça on pourra faire notre test. En tout cas, il lisse super super bien, franchement. Oh, c'est chaud par contre. Ouh, faut pas que je me brûle dans cette vidéo. Bref, voilà ce que ça donne. Et alors du coup, pour avoir, si vous avez les cheveux raides et que vous voulez avoir des belles mèches bouclées, frisées, etc., il faut enrouler votre mèche autour d'une fourchette. C'est très bizarre les astuces qu'on voit sur cette chaîne, mais bon, tout va bien. Donc vous faites comme ceci, vous mettez une dent comme ça, une dent et hop, 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 hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, vous attrapez bien le bout de la mèche, vous prenez votre lisseur. Chaud un petit peu, hein, pas trop non plus. Et là on va attendre 30 secondes. Donc c'est parti, on chauffe bien la mèche. Comme ceci, vous voyez, oh c'est trop bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30. Pouf. Et là je lâche. Tididi. Est-ce que vous voyez? J'aime bien mon... Attendez. Bon, je suis un peu mitigée, mais... Non, en fait j'aime pas. Elle est, c'est un peu frisé, mais ça aurait pu être mieux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de tester encore une autre fois sur une autre mèche, une deuxième fois. Donc attendez, je regarde un peu. Alors attendez, voilà ce que ça donne en fait. Je vous montre un petit peu mieux. Moi je trouve ça plutôt pas mal, franchement. Donc on va tester sur une autre mèche pour vraiment voir si cette astuce fonctionne vraiment vraiment bien. Voilà. Mais ça peut dépanner hein, si on n'a pas de fer à boucler ou fer à friser. Ça peut être pas mal quoi. Une fourchette, je crois qu'on en a tous chez soi. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, ouais, ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, je trouve que c'est une bonne astuce parce que c'est bon à savoir, en fait. Voilà, si on veut aller en soirée, encore une fois, ou à un mariage, ou je sais pas, bah on fait... on prend sa petite fourchette et puis on fait son petit truc de son côté. Et après, on a des belles boucles. Voilà. Alors là, j'enroule comme ceci. Alors par contre, quand vous le faites, faut une concentration de dingue, quoi. Voilà, parce que c'est un petit peu chaud. On peut le rater assez facilement. Et là, hop, encore une fois, on réitère l'opération. Voilà, on recommence et voilà, j'attends un petit peu. Oh my god, par contre, la fourchette, elle est hyper hyper chaude, quoi. Ça chauffe très vite. Oh, ça me fait trop mal. Donc, je retire tout parce que là, c'est... Faites attention à ne pas vous brûler, c'est assez catastrophique. Et en tout cas, je retire et regardez. Attendez, je vous montre. Franchement, c'est pas mal quand même. Oh, j'aime bien, moi. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, après, vous la travaillez, voilà, vous faites ce que vous voulez et tout. Mais j'avoue que j'aime bien. Après, c'est pas des boucles parfaites, parfaites, mais ça peut le faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, c'est une astuce qui peut dépanner. Je sais pas trop si c'est un top ou un fail, là, pour le coup, parce que ce sont pas des boucles parfaites non plus. Mais voilà, quoi. Franchement, je sais pas trop, donc dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, j'ai adoré faire cette astuce. Donc, ouais. À tester aussi de votre côté, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça a fonctionné pour vous aussi, ou si vous n'avez pas réussi, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bref, pour ma part, mes amours, vous l'aurez compris, je valide à 50% cette astuce, et ouais, c'est plutôt pas mal quand même. Tada! Et donc voilà mes amours, c'est tout pour cette vidéo, j'ai adoré la faire, franchement j'ai kiffé vous la faire. Donc n'hésitez pas dès maintenant à mettre un gros pouce en l'air pour voir encore plus de vidéos comme celle-ci. Allez-y, c'est parti, mettez plein de pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Vous verrez toutes les notifications, etc. à chaque fois, votre portable va vibrer. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé des astuces, est-ce que ça a marché ou pas, etc. etc. Est-ce que ce sont des tops ou des gros fails? Et surtout n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos astuces dans les commentaires, voilà vos super astuces, comme ça vous passerez dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me les envoyer donc sur Instagram, voilà Insta direct, vous me taguez etc, ce que vous voulez, et bien sûr sur Snapchat aussi. En tout cas je voulais vous dire que je vous aime du fond du cœur, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous bisous, ciao. Ah oui, au fait n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram makeupchic119 pour rejoindre la team. Oh, j'en ai mis sur mes cheveux. Fin. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Oh. Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah, ça pique! Oh. Ah, ça pique trop!